Ok, une couple de choses que je veux montrer. Là, la boîte, un coup qu'elle est en place, c'est bien solide. Il y a des points d'ancrage. Il y en a un en avant ici, c'est de chaque côté. Il y en a un au milieu, puis il y en a un à l'autre bout. Ici, au milieu, j'ai aussi rajouté un morceau pour quand je descends la boîte s'enligne automatiquement à sa place. Ça ici, c'est le système pour lever la boîte. Ici, ça va, il y a une pin qui rentre, qui va rentrer dans la base de la boîte. Puis quand, avec le manche, je lève, bien, ici, c'est comme un levier. Puis, le bas de la boîte arrive à cette hauteur-là. Puis quand je redescends, bien, ça va au plancher. Je peux voir en dedans peut-être. Ici aussi, en arrière, quand les portes sont fermées, c'est tout bien solide. Une barrure en haut aussi. On va essayer d'aller voir à l'autre bout. Oui, ici, c'est clair. La pin qui vient rentrer dans le bas de la boîte. Là, je mets mon manche ici. Ça ici, c'est les côtés optionnels pour avoir le trailer avec seulement des côtés comme ça. Ça part avec la boîte. Ça, c'est un autre set de côtés pour avoir des petits côtés. Donc, trois possibilités. Comme on peut voir ici dans la boîte, ben c'est clair. Il y a au plafond toute une rangée de panneaux ondulés semi-transparents. Et pour la nuit, ici dans le 2x4, il y a une rangée de LED jusqu'au bout.